Après les épreuves pratiques dites avancées qui se sont déroulées au mois de mai, les épreuves écrites du baccalauréat technologique et professionnel, session 2019, débuteront le 4 juin 2019 sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi s'est exprimé en ces termes pour le bon déroulement de cet examen qui ouvre vers les études supérieures. Chers apprenants, à la veille de cet important examen pour notre système éducatif et pour votre avenir professionnel, c'est à vous que je réserve les premiers mots de cette tribune de sensibilisation à la synergie de nos actions pour un baccalauréat 2019 réussi. Je voudrais surtout vous rappeler que l'examen du baccalauréat n'est pas un concours, mais une évaluation d'étape qui conduit à une conclusion réussie des études secondaires et vous ouvre les portes des études supérieures dans les universités. Cette année, ils sont au total 15 281 candidats pour 24 séries réparties dans 52 centres sur tout le Congo qui prennent part à cet examen contre 14 111 en 2018, soit une amélioration de 1170 candidats. Nicéphore Phila Sainte-Eude a fait savoir que les 15 281 candidats devraient observer les textes réglementaires qui régissent les examens d'État, car en cas de fraude, la conséquence est la suspension à toute participation au baccalauréat pendant 3 ans.